Grande manœuvre dans le monde de l'automobile, le géant américain Chrysler reprend pied en Europe par le biais de sa filiale italienne à 100% Lamborghini. C'est en effet un moteur Chrysler Lamborghini qui en 89 équipera en Formule 1 l'écurie anglaise March et la nouvelle équipe française Larousse Calmels, une équipe qui dès lors peut nourrir de grandes espérances. Caroline Sins. C'est bien connu, en Formule 1, tout fonctionne à la vitesse grand V. Alors que le championnat du monde 88 n'a pas encore débuté, les dirigeants de l'écurie Larousse Calmels pensent déjà à la saison 89. Dans deux ans, le bolide 76 sera équipé d'un moteur V12 de 3,5 litres de cylindrée, une machine conforme à la nouvelle réglementation définie par la FISA et fabriquée par la fameuse firme italienne Lamborghini. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir l'écurie Larousse Calmels? Ces derniers résultats ou peut-être aussi une raison affective vis-à-vis de Gérard Larousse qui est votre ami? Larousse, il a eu des résultats bien. Il m'a montré d'être un écurie jeune, mais très professionnel. Ils ont déjà eu des résultats, comme vous avez noté. Et là, j'ai quoi? Les feux derrière. Comme nous avons les feux derrière. Alors, tous les deux, nous sommes motivés pour avoir des résultats. Lamborghini assurera également l'entretien et le développement des moteurs de l'écurie, ainsi que l'assistance technique sur les circuits du championnat du monde. Les premiers essais du nouveau moteur auront lieu au cours de cette année, sur un châssis Lola légèrement modifié. Pour Gérard Larousse, tous les ingrédients sont désormais réunis pour taquiner le gratin de la Formule 1 avant 90.